2023, c'est effectivement une année importante pour Avril puisque nous avons clôturé le premier cycle de notre démarche Spring. Spring, c'est le nom de la démarche RSE du groupe Avril. C'est une démarche qui fait la consolidation de 25 indicateurs de performance extra-financière et qui mesure un indice consolidé une fois par an. L'objectif, c'est de gagner un point par an et à fin 2023, cet objectif, il est atteint et même dépassé puisque nous atteignons le score de 5,1 sur 5. Donc une vraie belle réalisation qui tient à la mobilisation de toutes les équipes. Ces dernières années, on a réalisé de grandes avancées dans la stratégie climat carbone du groupe. Le climat, la décarbonation, ce sont bien évidemment des enjeux majeurs pour nous. Alors on a commencé par la réalisation de bilans carbone sur nos scopes 1, 2 et 3, des bilans qui sont affinés, mis à jour chaque année. Et grâce à cette compréhension fine de nos émissions, on est maintenant en capacité de mobiliser les équipes, les filiales autour des leviers clés de décarbonation, que ce soit sur les aspects consommation d'énergie des usines, mais aussi achat et également tout le volet supply chain. Ces actions et leur mise en œuvre, ça se voit en fait dans les résultats puisque sur les émissions scope 1 et 2, on a constaté une réduction de 6% entre 2022 et 2023. Alors, comme je le disais, en 2023, on a terminé un premier cycle Spring de 5 ans sur la RSE, mais en fait, la démarche, elle continue sous une version un petit peu différente. On passe de 25 à 14 indicateurs, des indicateurs qui vont être plus focalisés sur les 6 engagements de notre raison d'être et donc qui vont nous permettre de progresser dans toutes les dimensions clés que sont le volet agriculture responsable, la biodiversité, la lutte contre la déforestation, nos engagements pour les filières locales, le volet investissement, le volet climat, on en parlait, et enfin tous les sujets liés au collectif et à l'inclusif avec nos collaborateurs et nos parties prenantes.